Mr. President. You better inform him. That's about as far as I can go with that. So let me see you tomorrow. She'll see you tomorrow. Madame Boucher, ça va jouer aussi du pouvoir de mer des jeux. How are you, sir? Nice to see you. And I think you know these gentlemen. We will just stand for a moment for pictures. Il faut toujours se méfier des animaux. They tried. They did. All on chat. Yes. Well. In the chair. You're up there, sir. Now, I know you have been welcomed by the secretary and others, but well, we have my words of welcome. And also mentioned that I have heard glowing reports of your warm hospitality to the Vice President in his visit there. It's been an honor and a pleasure to welcome President Abu Diouf to the White House today. And it is especially fitting that our meeting takes place on the 100th anniversary of our American consulate on the Senegalese island of Gorée. President Diouf is one of Africa's most impressive leaders. He's a peacemaker and problem solver whose fine reputation preceded him to Washington. After meeting with him, working with him, and talking to him, I can only say it is a reputation well deserved. In our conversations this morning and at lunch, we discussed many important international problems, particularly those of Africa, the Third World, and the Middle East. On many of the issues, our views converge. On others, we've agreed to differ. We've always done so, however, in a spirit of mutual respect and in the context of a valued bilateral relationship. I have formed a high personal regard for President Diouf's wisdom and integrity, and I value both his views and his counsel. Senegal and the United States are relative rarities in this troubled world, democratic nations living under the rule of law and devoted to human rights, committed to the search for peaceful solutions for international problems. I have assured President Diouf of America's support for him and for Senegal. I've also expressed our admiration for his accomplishments at home and abroad. In the months ahead, I look forward to both building our personal friendship and strengthening the important ties that bind
our two peoples, knowing our relationship can only further the cause of world peace. We're very pleased. C'est un honneur et un plaisir d'accueillir le président Abdou Diouf à la Maison Blanche aujourd'hui, et il est tout particulièrement approprié que notre réunion ait lieu pour le 100e anniversaire de l'établissement du consulat des États-Unis sur l'île de Gorée. Le président Diouf est l'un des dirigeants les plus impressionnants du continent africain. Homme de paix et de solutions, sa belle réputation l'avait précédé à Washington. Après m'être entretenu avec lui, je dirais que sa réputation est une réputation bien méritée. Dans nos entretiens de ce matin et au cours du déjeuner, nous sommes entretenus de beaucoup de problèmes internationaux importants, en particulier ceux de l'Afrique, du Tiers-Monde et du Moyen-Orient. Sur beaucoup de ces problèmes, nos opinions convergent. Sur d'autres, nous convenons de ne pas avoir la même opinion, mais toujours dans un esprit de respect mutuel et dans le contexte d'un rapport bilatéral très précieux. J'ai énormément de considération personnelle pour le président Diouf, pour sa sagesse, son intégrité, et j'apprécie hautement ses opinions et ses conseils. Le Sénégal et les États-Unis représentent quelque chose de relativement rare dans notre monde perturbé. Il s'agit de nations démocratiques vivant sous l'égide du droit et consacrées aux droits de l'homme, vouées à la recherche de solutions pacifiques pour les problèmes internationaux. J'ai assuré le président Diouf que l'Amérique le soutient, lui et le Sénégal. Je lui ai également exprimé toute notre admiration pour tout ce qu'il a fait dans son pays et en dehors de son pays. Dans les mois qui viennent, je me réjouis de rendre plus solide encore notre amitié personnelle, de renforcer les liens importants qui lient nos deux peuples, sachant fort bien que de ce rapport ne peut que sortir une paix encore plus forte. Pour la traduction, il faudra que je vous donne après le texte. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence le Président Ronald Reagan, le gouvernement et le peuple américain pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'ils ont bien voulu me réserver, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne à l'occasion de ma première visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Le fait que cette visite coïncide, comme le président Ronald Reagan l'a fort justement rappelé, avec le centenaire de l'établissement du premier consulat américain à Gorée, témoigne de l'ancienneté des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, qui sont deux nations démocratiques attachées au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les entretiens fructueux que nous avons eus ce matin et au déjeuner ont été l'occasion d'échanges approfondis sur la consolidation et le renforcement de notre coopération bilatérale, dont je voudrais me réjouir ici de sa qualité et de son efficacité, ainsi que sur les grands problèmes internationaux qui se posent au monde d'aujourd'hui, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du tiers-monde. Sur tous ces problèmes, nous sommes convenus, dans l'esprit des rapports confiants qui se sont instaurés entre nos deux pays, de poursuivre et d'intensifier notre concertation pour trouver les solutions les plus efficaces dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale. Nous comptons à cette fin sur la sagesse du président Ronald Reagan, qui est un dirigeant que nous admirons pour sa franchise et son pragmatisme, et qui a déjà prouvé par ses actions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis qu'il était un grand homme d'État à la mesure du peuple américain. Et je voudrais saisir cette occasion pour lui renouveler l'assurance que nous, peuple du tiers-monde, suivons avec intérêt et compréhension les efforts inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour le triomphe des idéaux de paix
de démocratie et de justice dans le monde. I should like, first of all, to thank President Ronald Reagan, to thank the American government and the American people for the particularly warm welcome that they have extended to me and to my delegation on this, my first official visit to the United States. The fact that my visit coincides, as President Reagan so appropriately recalled, with the centennial of the first American consulate in Goree bears witness to the long-standing relations of friendship and cooperation between Senegal and the United States, two democratic nations attached to respecting human rights and basic freedoms. The fruitful meetings we had this morning and during the lunch were the occasion for thoroughgoing exchanges of views on strengthening and furthering our bilateral cooperation. I should like to rejoice here, reflecting upon both its quality and its effectiveness. We also discussed major international issues confronting the world of today in Africa, the Middle East, and the Third World. We are agreed in the spirit of the relationship based on confidence that has been established between our two countries to pursue and intensify our consultation in order to find the most effective solutions in the interest of peace and international security. To that end, we rely upon the wisdom of President Reagan, a leader whom we admire for his candor and his pragmatism. He has already proved by his actions inside the United States as well as outside of the United States that he is a major statesman, fully consistent with the full measure of the American people. And I should like to avail myself of this opportunity to renew the assurance that we, the people of the Third World, are following with great interest and comprehension the untiring efforts that he is constantly undertaking in order to secure the triumph of the ideals of peace, democracy, and justice in the world.